Donc du coup, bah, c'est moins fun. Fuck that shit. What's going on? Language. It's booby trapped. Ah. No way. You okay? I'm alive. Now to deal with the first floor. Be careful. En fait, on a fait tout ça pour rien, quoi. Bien état de l'alarme, je sais pas où. Bon, alors on se casse tout simplement. Oh putain. Il y a des robots partout en fait. Totem. Jeez, Deke, it's glass. Hell, mate! So good to see ya. You alright? This was unexpected. Couldn't say it better. What are you doing here? Same question to you. And where's the bossy one? What about taking this reunion out to the private terrace? Oh wow. You guys worth millions now? This is really surprising, Glass. Not saying I'm not happy to see you. It's been too long. I know. What led you guys here? Business? What else? But you, weren't you sick of all this? I was. This time it's just... personal. 4 years without any news. You'll have to explain a bit more this time. Come on, mate. Mate? Shit. Glass? I was invited. So long. I'd say I'm happy to see you, but... you working? Looks like you'll have to tell, mate. This isn't social, despite appearances. Then who are you working for? You know I can't answer that. Shouldn't answer that. I'm working for me, and someone else. What's annoying is that this someone else should be dead. His name's Illiwak, and he's from here. Skinny, gray long hair. Not really talkative. Reminds me of someone. So, how's it going? Nowhere. I couldn't find a track. I heard about new arrivals, so I came. So, what's the hot topic here? Long story. We failed to get the item we were looking for in Paris. We followed the track thanks to a company man. Looks like our traffic. I suspect something more. Like? The most troubling part is that the ambassador we were chasing is related to Hell Stuff. Shit. Hana. Numbers are good, and no way we go back home failing a mission. If someone finds out, we're finished. Who's the newcomer? Axel Chevalier. Met him before.
A lot of interest in Asian antiques. The data you found isn't related to antiques. City nightlife became hectic recently. It's all about disappearances and miscellaneous news. Local mafia? Don't think so. I heard about strange behavior and stories at the museum, too. Something else? Not really. The latest facts are about a weather station called Amethyst. But I'm not sure I got everything. Looks like they have trouble transmitting. But is it encrypted? That's a weak lead. Let's wait for Axel's informer. Glass, what do you do? Follow your own path? I have none. And anyway, there's something shady here. I'm sure Iluwak would be a part of it. Wanna join, mate? Welcome back. C'est très mal rythmé aussi. Ça a lagué pour Charles cette cinématique. Pour une française, elle a un fort accent anglais pour prononcer les noms français. Non, mais même Axel pour. Allô. Que se passe-t-il? Ok. Il a aucun accent français quoi, et c'est censé être un français. Chevalier. Et je dis que c'est mal rythmé dans le sens où c'est que c'est. En fait, c'est pas super intéressant ce qui se passe. Il y a trop de parlotte. À la limite, ça devrait être un manga plutôt. Genre regarder les cinématiques. Si les phases d'action sont pas très très mouvementées dans ton jeu, à la limite, fais en sorte que les cinématiques pètent. Fais en sorte qu'il y ait des rebondissements et que ce soit intéressant. Mais bon, si c'est pour regarder des cinématiques chiantes avec 4 personnes qui parlent d'affaires et c'est pas intéressant, bon bah, on s'endort quoi. Mais enfin. Ah, maintenant on est lui, on sait pas trop pourquoi. Alors, sujet ronde d'hier, à l'Asie. Tu sais que je ne suis pas du genre à flipper facilement, tu sais ce que je sais garder mon calme. En toutes circonstances, tu m'as embauché pour ma réserve et mon sérieux. Et j'essaie de me montrer digne chaque jour. C'est pour ça que tu dois me faire confiance aujourd'hui. Cette phase nordique me rappelle Distress. Je suis d'accord aussi. Tu sais ce graffiti derrière l'entrepôt, celui qui représente une sorte de fantôme, je l'ai vu. Je veux dire vraiment vu, ce n'est pas un monstre de série B. Il vit ici. Ou vivait. Je ne sais même pas dire si cette chose vit vraiment. Maintenant, tu me crois folle, tu as deux solutions. Soit tu me vires, c'est bon, je comprendrai. Ou tu demandes à Tiguak de m'accompagner cette nuit. S'il aperçoit lui aussi, tu aviseras. These are always welcome. Cranky's even more. Essaye de parler français, mec. Ce serait bien. Après, ça parle de l'enfer et tout ça, là. Dans Fear Effect, la mythologie chinoise était très liée au jeu, donc ça faisait genre science-fiction, genre futuriste un peu, parce que bon, ils ont beaucoup de technologie, ils ont une grande technologie,
Donc apparemment ce truc là est vivant. Ce dessin. Et après il y avait des monstres, des démons et tout ça. C'était sympa. Et là apparemment bon bah. Laura. Hey, where are you going? Oh. What the hell is that? Don't play with me. On a vu un truc. Et apparemment là bon bah il y aurait la même chose. Oh la vache. What? Ah, ça fait un pont. Laura, what's happening here? You know I'll check this place block after block. On va se faire écraser ou pas? Non. Give me a break. I had enough of this. I will find what's happening here, no matter how you try to hide something. Faire un pont encore une fois. Sa caméra, moi, qui me gêne. J'arrive pas à voir les où je vais en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh la vache, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ok, faut sûrement monter celui-là et lever le truc. À celui ou celle qui trouve malin de déplacer la bouteille de gaz à l'entrepôt 3 au tapis roulant. Stop, mec, t'es le seul à bosser ici. Tu ne te souviens plus ce que tu transportes, va consulter. Alors, attends. No power. This would have been too smooth, right? But turning it on would definitely help. Je peux pas passer par là, y'a un mur. Vache. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse?
je fasse lever le conteneur rouge. Je peux passer par là ou pas? Ah non, je l'ai posé. Il faut que je le remonte, c'est ça? On va le remonter et passer en dessous, je pense. Je vois que ça. Donc on va tester ça. Apparemment non. Comment on va là? Je vais aller sur cette plateforme à gauche là. Pas. Ah, le pont? Non, c'est un tunnel. Ah, c'est un tunnel. Ah, putain. S'il cache des choses à cause de la... de la caméra, c'est un peu pute quand même. Ok, j'ai fait un raccourci en fait. Donc maintenant, si je fais ça... Ok, maintenant on refait le tour. Et maintenant on rebaisse. L'autre côté. More power, less shadows. It's just you and me now. Maintenant, on retourne à celui-là qui n'avait pas de d'électricité. On réactive. Ça, c'est un exemple que c'est mal fait, c'est chiant. Là, on se fait chier. Là, c'est relou. Une fois encore, si le gameplay était comme Fear Effect 1 et 2, ça serait différent. Ça serait très différent. C'est bon ? Ah, un totem. Donc là, il faut baisser celui-là pour pouvoir activer le machin. Je veux pas paraître rabat-joie ou quoi que ce soit, hein, mais c'est que... voilà, quoi. J'attendais que ça... ça pète un peu, quoi. Je pense que je... En gros, c'est quand t'as des jeux comme ça. Si tu prends plus de plaisir à refaire les jeux de 15 ans, 20 ans, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que je m'amuserais plus à refaire le 1 et le 2 que ça. Laura, I'm tired of chasing you. It's the last time you stand in my way, sweetheart. Elle est où? Là.
corps du poisson. Laura? Oh shit. No, this can't be. What? Wait, what the hell? What are you? What do you want? C'est un esprit qui a pris le contrôle d'un robot. Alors là. Alors là. Je veux pas dire, mais il a un peu la hitbox bizarre parce que son bras il me touche pas, mais alors que ça me fait des dégâts quoi. C'est un Metal Gear! Pourquoi t'arrives à me toucher, mec? T'es trop loin! Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il y a un truc à faire. Oh putain de sa mère. Il a été codé avec le cul. En fait, faut à chaque fois faire une roulade, parce que sinon il te touche. Il te touche même sans roulade. Peut-être tirer derrière. Ah, le fils de... Chien. Concentration. Dark Souls mode, ok. What are you? What do you want? Thank you.
Ah, ah ben voilà. Ah putain, c'est déjà fini. Fait chier. Ah, peut-être pas. What a day. At least we have a track. This Amethyst weather station looks promising. A word on our team? Unexpected? That's putting it mildly. I don't really trust Axel. I got it. Anyway, better not to trust anyone. But he has his moments. What remains unanswered is the reason behind the mission. French government don't like it either. But they have money. Whatever helps us to find the statuette is useful. And now that he's lost his informer, he's taking this personally and seriously. That was cruel. Yeah. I'm more concerned about Glass. Because? Because everything. Did you look at him? He looks worn out, mentally. Isn't it totally crazy to meet him here and now? And what about this guy who should be dead? So now we have two people on this job we can't trust. First Axel. And now Glass. Pains me to say it. Pain we can handle. If he came here to die, that's his choice. But he doesn't get to take us with him. As long as he works with us, I'm glad he's here. So I'm not enough for you already? Bon, il est où mon soft porn? Oh putain, elles ont des habits, merde! I thought weather stations were more basic. I wouldn't want to get caught out in the cold here. Cold is the least of his problems. Correction, was the least. How did he die? Painfully. What's messing things up here? Glass, how many are there? More than we were told by our informers in Nook. Must be something interesting. Like a statuette, for instance? Maybe more? And Illuwak. He has a role in this. He was always one for an ugly death. Anna, how do we do this? No ceremony. Oh, no, 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 no. Hola, hola. Calme, calme, calme. Une attaque. 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 Le jeu dure entre 6 et 8 heures, même putain. Un truc qui me gêne aussi, c'est le fait que Anna soit. Comment dire. Trop gentil. Pas gentil, mais. Soumise? Non, pas soumise. Enfin, c'est elle qui prend les choses en main, en fait. Je la vois mal mettre sa tête sur l'épaule de l'autre, c'est ça que je veux dire en fait. Ce serait plutôt l'inverse. Oh, la vache. Okay.